Voilà, vous êtes sur CCTV français. Ce journal se poursuit avec la Chine. Le Conseil des affaires d'État a diffusé de nouvelles régulations stipulant que la Caisse de sécurité sociale complétera les dépenses de sécurité sociale, y compris les retraites. L'origine de la caisse est constituée de revenus du gouvernement central, de capitaux appartenant à l'État et de rendements des placements du fonds. Le règlement prévoit également que les actifs à revenus fixes et les valeurs d'entreprise cotées ou non sont des investissements admissibles. Le Conseil national pour la Caisse de la Sécurité sociale désignera des institutions professionnelles qui géreront les investissements de façon transparente et impartiale. Zhang Liangxi, directeur associé chez Rouyrua, comptable public agréé. La caisse de sécurité sociale est un fonds de réserve. La caisse n'est pas destinée à des dépenses immédiates. Elle peut être investie dans une perspective à moyen ou à long terme. Les rendements comme la viabilité sont importants dans cette situation. Il devrait donc y avoir des règles législatives et transparentes sur le renflouement, la gestion et la supervision de la caisse.